Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie. 13e manche de la première saison de My Team. On va voir au niveau des activités, on a beaucoup d'activités à faire, ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va pas prendre quelque chose qui va baisser le moral de la chaîne motrice parce que c'est quelque chose qu'on va pas tarder à améliorer, je pense. Ah, ça c'est bien. Événement sponsor. Ok, ça marche. On va se mettre sur une autre scène histoire que vous voyez mieux. Pof. Voilà. Département aéro. Allez, go. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va pas. On va pas pouvoir faire grand-chose. On va faire l'entraînement simulateur et team building châssis du coup. Hop. Pas de nouveau message. On n'a pas assez d'argent pour faire quoi que ce soit au niveau des infrastructures. Au niveau de la R&D, nous sommes toujours cinquième. Eh bien, en R&D. Je conseillerais plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre-là. Non, honnêtement, je ne vais pas partir sur la fiabilité. Je vais plutôt partir sur le moteur. On va partir sur instant d'étincelle. Ok, ça marche. Risque d'échec 35%. Ça marche. On l'aura juste après là. Hongrie, entre la Hongrie et la Belgique, ok, ça marche. Et Que pensez-vous de ça? non, toujours pas, hein. Toujours pas, toujours pas. On pourrait peut-être aller sur du châssis, je pense. Non, capacité de département atteint. Ouais, mais sur l'aéro, on est bon en fait. Et on n'aura pas besoin forcément d'aéro sur les deux prochaines courses. Du coup, non, on va pas aller sur l'aéro non plus. On va garder les points. Au niveau du moteur, ça va, on a pas mal de moteurs à peu près neufs. On va utiliser des pièces, comme d'habitude, usées pour les essais libres. On aura des pièces qui n'auront pas 50%, donc pas de problème d'usure pour la course. C'est parfait, le turbo commence un peu à avoir mal et la première EC aussi. La deuxième est à 55 aussi. Je pense que c'est la dernière fois qu'on va utiliser la première EC. Et voici à quoi ressemble le classement. Donc du coup, on s'est fait dépasser par Max Verstappen sur... La dernière course, on est toujours devant Alexander Albon, on a 99 points. Très très bonne, comme d'habitude, début de saison 1. Je pense que vous n'aurez jamais vu un début de saison 1, My Team aussi concluant, je pense. Mis à part ceux qui jouent pas dans leur niveau, mais j'essaye d'être au maximum legit de mon côté. Et puis on est parti pour eh bien, améliorer, accélérer le temps, pardon. Et on passe au week-end de course. Allez, du coup, on se retrouve dans le motorroom et il y aura de la pluie pour les qualifications. Déjà, ça me plaît moyen. Allez, on va pas avoir de la pluie sur toute la qualification. Peut-être qu'on va avoir un run en sec à la fin. Ça va être intéressant, du coup. On va revoir directement l'arbre R&D. On s'est fait dépasser par Honda, Toro Rosso Honda. Ah oui, qui apporte une assez grosse amélioration. Ok, ça marche. Du coup, AlphaTauri qui nous dépasse. Et est-ce qu'on peut... non, on peut toujours rien faire, effectivement, au niveau de la R&D. Donc du coup, on va avoir de la pluie pour ce Grand Prix, pour les qualifications plutôt. Il va faire beau pour la course. Ça marche. Ok. Et bien, on est parti pour les qualifications pour YouTube. Et nous, on fait les essais sur Twitch. C'est parti. Yes! Ça c'est un bon début de tour. C'est cool. Ce tour est loin d'être excellent.
Ah, c'était moche comme sortie. Quoi ? Ça, c'est la pôle. Piste sera bientôt sèche. Bon, la pluie va s'arrêter, donc ça va se jouer sur un seul tour. À la fin. Dommage, parce qu'on avait le deuxième temps. Allez, c'est parti pour un seul tour de qualif, du coup. La piste est parfaitement sèche. C'était un bon tour, non? Pas mal. 9ème, je pars en rouge. Aïe! Ah, c'est un trop bon tour. On n'était pas loin d'être P11. Dommage. On va partir en rouge, du coup. J'aurais aimé partir en jaune. C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit, d'ailleurs de nombreux pilotes, actuels ou à la retraite, ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralf Schumacher qui a terminé les 10 Grands Prix de Hongrie auxquels il a participé. Nous voici au nord-est de Budapest pour la course d'aujourd'hui sur le Hungaroring et ses 4,3 km. Ici se trouvent 14 virages, 8 à droite, 6 à gauche et le niveau d'appui aérodynamique important joue un rôle décisif sur le comportement des monoplaces, mais rend les dépassements particulièrement ardus. Ce ne serait pas un vrai Grand Prix si je n'avais pas le célèbre Nicolas Martin avec moi pour suivre l'action en piste. Bonjour Nicolas. C'est un visage connu que nous retrouvons en pole position aujourd'hui. Sébastien Vettel peut-il concrétiser cet avantage en victoire? Il va devoir se montrer légèrement plus agressif qu'il ne l'a été récemment pour maintenir cette position dans les premiers virages. Ceci dit, tout incident qui surviendrait au premier virage changerait complètement la donne. Espérons que toutes les monoplaces s'en sortent intactes. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Alexander Albon et Gasly, Perez, le rookie, Sainz et Lance Stroll, Bottas, Norris, Esteban Ocon et Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Kevin Magnussen et Dorian Boccolacci. Fiat, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Russell, Latifi et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bon, du coup, on se retrouve P8, on va être obligé du coup de partir avec les rouges. Quelle stratégie nous propose-t-on? On nous propose un rouge-jaune-jaune. Effectivement, c'est la stratégie dont j'aurais pensé. Je pense qu'on va partir avec 2 tours et demi de carburant en plus, pas besoin de trop non plus. On va partir avec 101,9 kilo. Du coup, on va chausser les pneus rouges pendant 11 tours, puis 29, puis 30 pour les jaunes. Ok, ça marche, il va faire beau pour toute la course. Et je pense que ça peut être un bon circuit. Pour aujourd'hui, on est en IA 107. Donc, selon les circuits, certains circuits, les IA sont très forts, d'autres, les IA sont moins forts. Du coup, on essaiera de varier selon ce qu'on fait en essai libre pour pouvoir mettre la bonne difficulté d'IA, histoire que ce soit plutôt intéressant. On a mis une seconde à notre coéquipier Dorian Boccolacci. Je pense qu'il a quand même loupé sa qualification parce qu'il est 18ème, je crois. Il était devant les deux Williams et devant les deux Haas, si je ne me trompe pas. C'est assez loin. Et puis, on est parti pour 70 tours ici au Hungaroring. Let's go. Allez, on vient se placer sur la grille.
On est à l'intérieur, c'est pas plus mal. Comme d'habitude, je vais espérer un bon départ. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on part avec les pneus que j'aurais pas aimé. Concentre-toi et surveille les feux. J'aurais bien aimé partir avec les jaunes, mais on s'est qualifié dans le top 10. Perez a pris un giga start. Gasly par contre il s'est effondré. Les pneus encore un peu froids. Oh, j'ai mis le mode dépassement, grosse erreur. Bon départ, continue comme ça. Et ouais, c'est un bon départ effectivement. J'ai un peu du mal encore. Avec le poids ou la température, non plus le poids je pense. Va falloir s'habituer à tout ça. On a gagné une position sur le premier tour, c'est nickel. Drapeau jaune derrière, une Renault qui abandonne. C'est tôt hein. Coup dur, deuxième tour, il y a une Renault qui abandonne déjà, Daniel Ricciardo. Voiture de sécurité, interdit de dépasser, réduis ta vitesse. Ton delta doit être. Il y a personne qui rentre au stand, ça m'étonne pas. Ouais, Vettel au stand. Assez osé d'aller au stand, Sébastien. Il est passé en médium. C'est vraiment osé d'aller dans les stands. Il est super loin. C'est vraiment osé parce que... impossible de dépasser sur circuit. Hein. Allez, safety car à ce tour. On a les pneus pas trop chauds. J'ai fait exprès de pas trop les chauffer. Ils vont très vite prendre de la température de toute façon. Voilà, c'est bon, ils ont pris de la température. Oh non, Sainz. Ah, j'ai... Prenais trop tard, du coup j'ai pris une mauvaise sortie. À l'aide. Très mauvaise relance. Ah, Perez au stand. Si tôt. Pourquoi? C'est étonnant qu'il y aille si tôt. Hamilton est premier. C'est terrible à quel point les... pneus rouges marchent pas du tout ici. Je pense qu'on va s'arrêter au prochain tour. On va tenter un undercut. Alors on va lâcher ces pneus rouges. Bien, rentre à la fin de ce tour. Extrêmement compliqué ce pneu rouge. C'est bon, tu peux partir. Très mauvais arrêt les frérots là. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. Allez hop, c'est le baptême du feu pour le pneu avant droit. Il a déjà pris son petit blocage. Il y a des arrêts au stand pour les leaders. Nous on est à peu près dans le rythme de Perez. C'est bon à savoir, par contre on va tomber sur du trafic. J'espère que ça va vite dégager de devant. Ils sont en pneu rouge aussi. Gasly au stand, on va le dépasser. Allez, frérot Latifi. Allez, il a tapé son meilleur blocage de roue. Il peut rentrer au stand, ça m'irait bien. Ok. Oh, j'ai essayé d'enrouler par l'extérieur, Perez. Bah bon. Il y a des rentrées au stand encore. Perez très agressif. On va essayer de d'en profiter aussi, peut-être le suivre.
Ah, Latifi a pas le DRS peut-être là. Sur le freinage. Allez Perez, complète ton dépassement là. Arrête d'être lent. Putain, c'est terrible Perez là. Ah, on a Albon devant. Waouh, Verstappen aussi. On a des gars bloqués par le trafic. Peut-être qu'avec le rythme de devant. Non, Boccolacci. J'avais encore besoin de toi. Dorian rentre au stand. Ah, peut-être avec un dive bomb à l'extérieur. Parce que là, oh, ça va. Allez. Ça enroule par l'extérieur. Ça referme gentiment la porte. Merci Pepito. Salut Alexander. On va le forcer. Allez, ça passe. Et du coup, on est cinquième. Les deux Red Bull se sont fait bloquer par... Ok. Par le frérot Russell. Et je perds la position sur Alex. Allez, hop, merci. Alexander et... Et Maximilien qui vont super vite. Ils sont en train de faire les meilleurs temps en tour. Ils sont vénères. Nous on va essayer de décrocher derrière. Il va être je pense faisable. On va se retrouver dans un no man's land pendant un petit moment je pense. Et j'arrive à maintenir un écart de plus d'une seconde avec derrière. Mais je pensais que j'allais quand même plus vite les larguer. Au final, ils arrivent quand même à rester dans la seconde 3, seconde 5. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Ah, je suis pas sûr de cette information, Jeff. Ah, j'ai pris un peu d'avance. Je suis à 2 secondes d'avance. Il se passe pas grand chose. Hein. Comme je l'ai dit, on allait être dans un no man's land. Mais bon, ça me convient très très bien. Hein. Pas besoin de me battre. J'ai juste envie de marquer des points. Une bonne performance pour l'équipe. J'arrive à être plutôt régulier, je me loupe quelques freinages, quelques virages, etc. par-ci par-là, mais ça va encore. Ah, Albon au stand, et forcément il était en rouge. J'ai pas eu le temps de voir quel pneu il a mis. S'il met des jaunes, ça va pas jusqu'à la fin. S'il met des blancs, ça va jusqu'à la fin. Déjà vous, I just been in this place before. J'ai glissé. Wouh! Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Ouais, une trentaine de pourcents sur les pneus. On sent pas spécialement de problème avec les pneus. On est toujours à la même distance de Perez. Notre retard sur la voiture de 13,2 secondes. Je me vois tellement en train de monter cette vidéo. De voir que je parle à ce moment-là, mais que je parle au chat. Puis je reparle au chat. Puis je reparle au chat. Et au final, de couper 30 minutes de vidéo parce que j'aurais rien dit de spécial. C'est terrible. Wouh! On s'amuse un peu. On se fait chier, on est au 36ème tour, vous avez vu sur YouTube comme quoi j'ai coupé beaucoup, il y a pas grand chose qui se passe. On est solo. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 15,5 secondes. Et ça commence à rentrer au stand, Vettel au stand. Normalement il va rechausser des médiums. Effectivement, il rechausse des médiums. Je ne sais pas quand est ma fenêtre d'arrêt au stand, je pense qu'elle va bientôt s'ouvrir. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Allez, on approche de la fenêtre d'arrêt au stand. On va s'arrêter sur le peut-être 40ème tour, je pense. On connaît comme ça.
Ah, j'avais pas vu, mais Perez est rentré au stand. Maintenant, on a Sainz à 5 secondes. Attention à pas se faire undercut par... par Covidman. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. La fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. On va rentrer à ce tour. On va éviter de rentrer trop tard pour ne pas se faire undercut. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Ça tombe bien. En plus, on allait se prendre du trafic. Comme ça, on va l'éviter. Il y a des rentrées au stand pour une Red Bull et pour... Et pour une Mercedes, c'est Hamilton et Verstappen qui rentrent. Allez, faites-moi un meilleur arrêt. C'est mieux. Bon, vas-y. C'est quand même mieux. C'est le moment de hausser le rythme, faut faire chauffer les gommes. Oh, c'est terrible, Perez qui a été bloqué par Giovinazzi. Ah bon, on n'est pas prêt de se faire undercut. Hein. Allez, c'était le dernier arrêt. On est reparti pour rouler tout seul, je suis désolé les gars. Et malheureusement, je pense qu'on va se battre avec eh bien le néant pour cette course. Ah, Albon a pit. Bottas a pit aussi. Il était derrière Bottas, hein, de toute façon. Mais Albon a fait un arrêt de plus que tout le monde. Donc tout à l'heure, ça veut dire qu'il a fait soft, 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 medium. C'est un concept. Sur un circuit où tu peux pas dépasser. On dirait une stratégie digne de Ferrari. Sainz au stand. Stroll au stand aussi, ils vont être très très loin les deux cocos. Perez ressort même devant Sainz. Même Giovinazzi est ressorti devant Sainz. Même Bottas est ressorti devant Sainz, ça fait mal. Dorian Boccolacci qui s'arrête pour la 112e fois. Dorian rentre au stand. Norris au stand, c'est parfait. On n'aura pas à le dépasser. On a son DRS en plus. Allez, devant, c'est à 17 secondes. Et derrière, c'est à 5 secondes. Voilà, tant que Bottas n'aura pas réussi à dépasser Perez. Sachant que c'est assez compliqué de dépasser sur circuit. Je m'en ferai pas pour lui. Bottas a toujours pas dépassé Perez. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Tant que Perez garde Bottas derrière, nous, on est à peu près safe. Oh! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah, ça, c'est l'erreur qu'il fallait pas faire. En plus, derrière, ça me rattrape tout doucement. C'est à 2 secondes 5. Aïe, va falloir se concentrer un peu là. Ouais, j'ai repris un peu de rythme effectivement, Tieno. Je recreuse un peu l'écart, on est repassé à 3 secondes. J'ai gagné 7 dixièmes en quelques tours. Ça se joue pas beaucoup, hein. On est à peu près le même rythme. Et surtout, Bottas n'arrive pas à dépasser Perez. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué à dépasser ici. En plus, il a un moteur Mercedes, le Perez, donc encore plus compliqué. Tant que Perez reste devant, moi ça me va de ouf en fait. Au moment où Perez sera plus devant, ce sera à nous de défendre sur Bottas et bah la flemme en fait. Hein. Notre retard sur la voiture de devant est de 26,3 secondes. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Et le tour précédent, j'ai réussi à faire le meilleur temps personnel. Donc ça va, j'ai du rythme. Bottas, toujours derrière Perez. Donc ça me convient. Perez, si tu peux le garder encore un peu. S'il te plaît, frérot. Waouh! Je savais que je réaccélérais trop tôt et j'ai quand même mis pied à fond. L'écart avec le pilote de devant est de 28. J'ai perdu une seconde sur ça. J'ai perdu une seconde pleine. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Allez, on a récupéré notre erreur. Ah, Bottas. Bottas a décidé d'attaquer. Pas passé encore. Ah, si, il est en train de passer, il est passé. Bottas est passé sur Perez.
va nous revenir au cul dans pas longtemps. Il aura mis longtemps quand même. Merci Perez, tu m'auras bien aidé. Ah maintenant c'est à moi de jouer. J'essaie d'économiser au mieux mon ERS pour la fin. Parce qu'il y en aura besoin, Bottas va nous rattraper. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Les pneus vont plutôt bien. Effectivement. Un meilleur temps en tour pour Bottas. C'est terrible, il a mis les watts. On sait très bien que les IA sont très rapides sur les derniers tours. Je pense qu'il faut surtout pas se chier. C'est deux virages en fait. Et la sortie. Pour éviter qu'il nous attaque. Bon là il va pas nous attaquer. Nous avons à peu près deux tours de carburant. Ah ça c'est terrible. Bottas. Ça va tranquille. Tranquille, tranquille. Détends-toi frérot. Je veux bien qu'on soit allé large, mais va pas me toucher non plus quoi. Eh bien, on va avoir de l'essence et de l'ERS pour se défendre sur le dernier tour. Et on peut se défendre bien sûr. Il va mettre les watts sur ce dernier tour pour essayer de nous dépasser. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ça glisse. Il a pas pris une bonne sortie. Ah, c'est plutôt bien parti là. Après, ça va être compliqué, frérot, pour me dépasser. Sauf si je fais des erreurs. Drapeau jaune. Ah non. Le drapeau à damier. J'ai vu un truc pop dans ma... Dans ma vision périphérique, j'ai cru que c'était un drapeau jaune. Pouah, il est si fast. Ah bah là, ça va être compliqué de me dépasser, frérot. P5. Nice. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ouais, entre nous, Pepito aka Coronaman nous a pas mal aidé. Pilote du jour, Valtteri Bottas, il a commencé 11ème, GG à lui. C'est bien 5ème, c'est bien. Les pilotes qui montent sur le podium peuvent être fiers de leur performance. Bravo aux gagnants de ce Grand Prix de Hongrie. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Sébastien Vettel doit être content de ce résultat qui lui permet de creuser l'écart avec le deuxième. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? Je vote pour le Finlandais volant. Oula, ça commence à faire beaucoup de Finlandais volants. Bref, je faisais référence à Bottas cette fois. Il a su aller vite et puis il a très bien géré le trafic. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Et victoire de Sébastien Vettel à 4 dixièmes d'avance seulement sur Lewis Hamilton. Une seconde de retard seulement. Le top 3 se tenait en vraiment pas beaucoup. Vettel qui devait être en perdition à la fin du Grand Prix. Max Verstappen avec le meilleur temps en tour à 13 secondes et nous on est à 48 secondes. Salut ! Voilà, il y avait Bottas juste derrière nous, sinon on a passé une course très seule. Merci beaucoup Corona Man pour cette cinquième position, sinon j'aurais été
et bien 6ème. Puis on a 8ème Sainz, Gasly et Alexander Albon pour finir ce top 10 au niveau du classement pilote. On a Vettel à 40 points d'avance sur Bottas et 47 d'avance sur Lewis Hamilton. Si IRL ça pouvait se passer comme ça, ça pourrait être plus intéressant. Ressaisissez-vous Ferrari s'il vous plaît. 83 points quand même, Charles Leclerc est très très loin. Et nous, on est à 109 points. On est plus proche de Max Verstappen toujours que d'Alexander Albon. Alexander Albon qui a fait une très mauvaise course, qui marque que un seul point. Et au niveau du classement constructeur, on est un peu tout seul aussi. Il y a Racing Point qui est pas trop loin à 95. Nous, on est à 109 points en quatrième position. YouTube, j'espère que ça vous aura plu. On voit plus trop, hein, il fait noir, coucou. Je suis là, mais j'espère que ça vous aura plu cette course. Et puis, de gros points, encore une fois, 10 points dans la poche, ça fait plaisir. Bye YouTube. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret? Êtes-vous satisfait du résultat d'aujourd'hui? Quel est le secret de votre réussite aujourd'hui? Merci pour votre temps.